On va commencer avec une thématique qui vous concerne tous, puisqu'il s'agit du financement. On a vu tout au long de la journée qu'un des points faibles de l'industrialisation, c'était comment on finance sa phase d'industrialisation quand on n'est pas Coca ou Pepsi. On va voir qu'il existe quand même des dispositifs sur lesquels on peut s'appuyer à différentes étapes pour accompagner la stratégie de développement de son entreprise. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter. Philippe Marcel, moi j'interviens en tant qu'ingénieur conseil chez Captronic. Donc Eric Motin, moi je suis directeur de l'activité micro-nanotechnologie au sein du pôle minalogique. Et dans cette direction, on a donc le dispositif EasyTech que j'anime avec Damien Cohen. Bonjour, moi je suis Philippe Coche, responsable de l'activité innovation de BPI France pour les départements de l'Isère et des Deux-Savoies. Et donc Adrien Farrugia de StadXP, sortant de Kickstarter, je vais vous parler de Kickstarter. Alors Philippe, on va commencer par Captronic. Donc Captronic, c'est un programme qui est porté par l'association Jessica France, qui a été fondée par le CEA et BPI France, si je ne m'abuse, pour favoriser la compétitivité des startups par l'électronique. Mais en quoi ça consiste? Qui est éligible? Comment ça marche? Alors on va essayer de mettre le PowerPoint si on veut. Ou... Alors je suis pas sûr. Tu veux pas? Bon, tant pis, on va le faire à capella alors. Donc nous, on accompagne des startups, des PME, des TPE au niveau financier, mais surtout au niveau accompagnement technique. En fait, on vient financer l'accompagnement technique et les expertises. En termes d'intervention, on a cinq types d'interventions. Le premier type d'intervention, c'est ce qu'on appelle les formations, donc assez classiques, sur 2 ou 3 jours, sur les thématiques qui sont logiciels embarqués électroniques. Formations qui sont cofinancées en partie pour nos adhérents. Ensuite, on a des séminaires techniques sur des thématiques très particulières qui sont en général des interventions d'une journée gratuites. Ensuite, on a ce qu'on appelle le conseil. C'est ce que je fais au quotidien avec les entreprises. C'est-à-dire que je vais voir les entreprises, les start-up. J'en ai vu déjà quelques-unes. Alors moi, il faut savoir que je suis Captronic depuis un mois. Et avant, j'étais expert Captronic pendant 15 ans. Je commence en tant qu'ingénieur conseil, mais j'ai un bagage un peu important pour l'expertise. Donc ça me permet d'aller voir les start-up. Et une fois qu'on rencontre la start-up ou la PME, on regarde sa problématique, ses besoins, on regarde l'ensemble de ses besoins, y compris de l'idée jusqu'à l'industrialisation, et on soulève les points critiques avec eux. Vous avez vu l'enceinte ce matin de Piu Piu. Je les ai vus depuis 15 jours. On a regardé les problématiques techniques particulières qui sont liées à la réglementation RF, aux batteries, etc. Donc une fois qu'on a identifié les points critiques, eh bien, on va mettre en place ce qu'on appelle une expertise. Alors l'expertise, elle est faite par des experts externes. Il faut savoir qu'on dispose d'un panel de 300 experts au niveau national dans toutes les thématiques. Et cet expert va vous accompagner sur des points très particuliers qui peuvent être des points sur des capteurs, sur tout ce que vous voulez. Alors les experts sont dans les labos privés ou publics, c'est voilà, en fonction de la thématique. Une fois qu'on a fait l'expertise, on peut vous accompagner aussi en développement, c'est-à-dire qu'on va suivre le projet, on va vous accompagner en développement sur toute une partie du projet. Alors Captronic va financer uniquement les parties de prestations intellectuelles, c'est-à-dire l'expertise, la partie conception, la partie routage, notamment dans les cartes, mais on ne finance jamais la partie matérielle des prototypes. On intervient aussi au niveau logiciel. Bon, typiquement, en ce moment, une thématique importante, c'est la cybersécurité. On regarde la notion de cyberdata et on vous met des experts à disposition pour vous aider sur cette thématique-là. Voilà, j'ai déjà une première présentation. Donc Captronic, c'est pour la partie essentiellement électronique et informatique embarquée, je suppose. Et du coup, sur la partie informatique tout court, il existe le dispositif EasyTech. Oui, il existe le dispositif EasyTech qui est un dispositif de l'IRT NanoElec, cofinancé par la région Rhône-Alpes, dont l'objectif est de transférer des briques technologiques vers les PME. Mais ça concerne toutes les technologies du numérique, aussi bien l'électronique, la photonique et le logiciel. Alors, le logiciel, c'est assez récent, puisque ça, on a pu avoir cette offre grâce à un appel de la région Rhône-Alpes, un appel RD Booster, qui, en 2017, a permis à EasyTech d'adresser complètement cette thématique logicielle.
Alors, c'est un dispositif qui permet de réaliser des preuves de concept. ENAPS a pu bénéficier, vous l'avez vu ce matin, de dispositif EasyTech. C'est quelque chose qui est assez simple en termes de dossier à monter. Il faut présenter la société. Vous avez le laboratoire prestataire qui va décrire ses travaux. Et vous pouvez avoir un ticket modérateur sur la facture du laboratoire qui va réaliser la prestation de l'ordre de 50% du montant de cette facture. C'est EasyTech qui réglera directement le laboratoire à votre place. En termes d'accès, moi, ce que je vous conseille pour venir découvrir ce dispositif, c'est d'aller sur le site Minalogique et de vous inscrire. Tous les mercredis, on a ce que l'on appelle un rendez-vous conseil, où vous avez autour de la table, vous présentez votre projet et vous avez une heure, vous avez les meilleurs experts dans le domaine de l'électronique, du CEA, de Grenoble INP, de Captronic. Et nous avons aussi des experts attitrés au programme, spécialisés dans l'électronique, mais aussi dans le marketing de l'innovation, ce qui est une dimension importante. Donc vous avez tous ces conseils, c'est libre, c'est gratuit, et vous en ressortez avec un rapport écrit, avec des pistes, des conseils. On peut soit après partir sur une expertise avec le partenariat Captronic ou aller sur une preuve de concept grâce au dispositif EasyTech. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très concret, de très simple à mettre en œuvre. Le mercredi, vous avez la possibilité, si vous avez une idée de développement que ce n'est pas encore très, très mature, que vous sentez qu'il y a des verrous technologiques, venez nous voir et on pourra voilà, vous épauler de façon assez pratique et assez directe. Aujourd'hui, donc grâce à la région, on avait initialement Grenoble INP, le CEA Leti qui étaient les prestataires de ce dispositif et nous ont rejoint donc le laboratoire Hubert Curien, l'INSA de Lyon, Piseo dans le domaine de l'optique photonique et aussi l'Université de Lyon. Donc si vous avez des contacts avec des partenaires académiques régionaux sur le domaine du numérique, possiblement vous êtes éligible à ce dispositif EasyTech. Pour cela, il faut être une PME. C'est-à-dire moins de 250 personnes au sens européen du terme. Voilà. Est-ce qu'on peut combiner du Captronic et de l'EasyTech ? Tout à fait, tout à fait. Et même, à la limite, c'est ce que je préconise, parce que ce qui est intéressant avec Captronic, c'est que vous pouvez avoir une expertise, c'est-à-dire une analyse, un état de l'art, une faisabilité, une étude papier sur votre projet pour défricher le sujet et qui ensuite peut déboucher justement sur une préconisation et une définition d'une preuve de concept qui pourrait être réalisé grâce à EasyTech. Donc vous pouvez tout à fait enchaîner les deux prestations. Et par contre, donc c'est bien sur des phases amont jusqu'au prototype. Phase amont jusqu'au prototype, oui, tout à fait. On a une partie aussi process, donc on est moins en avant en ce moment, mais qu'on peut subventionner aussi dans la mesure où l'aménagement du process amène une valeur ajoutée au produit et rend le produit plus compétitif du moment qu'il y a de l'électronique dedans. Une chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est que nous, on cofinance aussi une quote-part et on prend en charge une quote-part de l'intervention des experts. Oui, c'est important parce qu'on a vu tout au long de la journée qu'il y a la partie financement et la partie accompagnement, être conseillé, être accompagné à chaque étape. Et ces deux dispositifs-là, ben, ils combinent les deux, ils vous permettent d'accéder à des compétences à des coûts faibles grâce à la participation financière des partenaires. Tout à fait. Et sachant que le reste à charge, puisque EasyTech prend la moitié de la preuve de concept, l'autre moitié reste éligible au crédit d'impôt recherche que mon collègue de BPI France va vous détailler. Alors Philippe, BPI, tout le monde connaît, hein, vous injectez chaque année près de 25 millions d'euros dans l'économie, dont 200 millions dans les start-up. Milliards ? Alors j'ai oublié encore hein, des zéros. Vous avez de nombreux outils de financement. En quoi lesquels sont adaptés à l'industrialisation ? Je vais juste en deux mots, mais tout le monde connaît BPI, vous l'avez dit, donc je ne le répète pas, mais dire en deux mots quand même les trois piliers de notre accompagnement et cibler effectivement ce qui touche à l'industrialisation, puisque c'est l'objet de cette journée. Donc c'est vraiment accompagner la croissance. Hein. On peut prendre les entreprises et accompagner les entreprises dès la création, mais l'idée c'est de les faire grossir, de les emmener vers la taille PME, ETI, on en manque toujours et on le dit beaucoup en France. Préparer la compétitivité, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, et aller à l'international est quelque chose d'important parce qu'il y a une compétitivité qui est très forte. Et puis, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de start-up. C'est un des axes forts autour du concept de French Tech. Je vois qu'il y a
collègue en face, pour accompagner la dynamique de création d'entreprise qui est également très très forte ici. Si je rentre un peu dans le détail et que je cible par rapport aux 5 métiers, si on peut passer juste la suivante, merci, si elle y est, voilà. Rappelez que dans les 5 métiers, je ne parlerai pas de tout parce que sinon je vais parler trop longtemps, dans les différents métiers de BPI France, hein, que sont l'innovation, le financement, la garantie, les fonds propres et l'export. Les 3 principaux sur lesquels on va pouvoir intervenir autour de l'industrialisation seront l'innovation, et je détaillerai un petit peu après, la partie des garanties, puisque vous avez tous, en tant qu'entreprise, un certain nombre de partenaires bancaires et financiers qui sont là aussi pour vous accompagner dans vos phases de développement et d'industrialisation, sur lesquels on peut apporter un effet de levier en termes de risque, c'est-à-dire les garantir, donc garantir vos partenaires financiers banquiers pour leur permettre de vous accompagner et prendre effet du risque vis-à-vis de vos projets et de vos accompagnements. Donc cette partie garantie qui est au milieu, je crois, nous permet de donner une couverture aux partenaires bancaires qui vous accompagnent au quotidien pour vous faire un certain nombre de prêts pour l'investissement, pour du matériel, pour des lignes de production, puisqu'on parle d'industrialisation, tous les équipements dont vous pouvez avoir besoin pour produire et fabriquer. Le deuxième endroit et sur lequel on peut également avoir un enjeu, et on parle beaucoup de création de start-up, ce qui est l'investissement en capital. Vous avez un certain nombre d'entre vous ont levé des fonds, vont lever des fonds, vont avoir besoin de fonds, et donc y compris pour les phases d'industrialisation. Donc on va avoir un rôle aussi, soit un peu en direct dans l'accompagnement, où on peut avoir nos propres fonds d'investissement sur un certain nombre de thématiques, que ce soit dans l'amorçage, dans le risque, voire dans le déploiement et dans l'accélération surtout. On parle aussi d'industrialisation, on peut avoir des aspects où on a des montants très importants sur des systèmes de financement capital avec des partenaires, sachant que sur ces interventions en direct, hein, je le rappelle, on est toujours minoritaire et on est toujours avec d'autres partenaires investisseurs. Donc il y a forcément un nombre d'investisseurs, y compris, et ça peut être intéressant dans un certain nombre de cas, avec des corporate ventures qui ont l'intérêt double et de vous apporter des fonds et également d'apporter un premier marché, voire plusieurs premiers marchés, sur l'intérêt économique de vos produits. Et le deuxième partie de la partie fonds propres, c'est également la partie investissement en indirect. Donc là, en tant qu'entreprise, vous ne le voyez pas forcément, mais on intervient en souscripteur, le terme qu'on utilise, en souscripteur de fonds d'investissement qui eux-mêmes vont investir dans vos entreprises. Donc un certain nombre de fonds d'investissement qu'on peut connaître sur la place ou au niveau national ont été souscrits par BPI France, et notamment tout ce qui touche autour de l'amorçage, puisqu'on gère pour le compte de l'État le Fonds national d'amorçage qui intervient dans un certain nombre de fonds en local. On peut citer ATI à l'époque, Supernova aujourd'hui, Emertech, voilà, un certain nombre de fonds sur lesquels on est souscripteur également. Ça, ce sont les deux points garantis d'un côté sur l'aspect ce qu'on appelle du bas de bilan prêt bancaire et le haut de bilan, soit en direct, soit en indirect, avec un certain nombre de partenaires et toujours en partenariat. Et puis la troisième voie qui concerne plus la partie aide, hein, qui est un peu la suite de ce que mes deux voisins ont dit avant, qui concerne tout l'accompagnement à l'innovation, qui doit être celui d'après. Il n'y en a plus après, je vous rassure, il n'y en a que 3. Voilà. Où on va avoir sur l'aspect, donc je ne détaille pas tout puisque ça reprend l'ensemble de la chaîne d'accompagnement d'un projet d'innovation, mais si je focalise sur les deux endroits où on peut financer et accompagner l'industrialisation de vos produits, de vos projets pour arriver sur les marchés et intégrer la fabrication, ce sera la partie réalisation de... Comment ça s'appelle ? Réaliser vos projets. Perdu, si c'est bon. Réaliser vos projets, et notamment parce que dans le cadre d'un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons une partie qui s'appelle le prélèvement industriel et commercial des innovations. Donc on est bien sur une étape postérieure à la R&D pure, où la partie concept est terminée. Et là, on va aider à accompagner la préparation du lancement. Alors on ne financera pas la ligne de production, mais on va financer la première pré-série, un certain nombre de choses qui permettent de valider. Préparer la réglementation, préparer les marquages, tout ce qui est la phase préparatoire post-R&D qui est moins risquée normalement, mais qui est quand même quelque chose d'important en termes de validation pour atteindre le marché. Et dans ces projets-là, en gros, on partage, comme
l'a dit Eric tout à l'heure sur la partie EasyTech, à 50% les dépenses du projet, principalement sous forme d'avances récupérables ou de prêts à taux zéro, pour accompagner ces différentes étapes de lancement industriel et commercial. Évidemment, on peut faire ce qui est avant, hein, mais j'en parle pas. Puis la deuxième étape, mais j'en parlerai s'il y a des questions, s'il y a besoin. La deuxième étape, qui est celle qui est tout en haut, qui est la partie accélération, là purement commerciale, avec les prêts à l'innovation. Donc là, on est passé de l'étape de pré-lancement à l'étape de commercialisation, où avec toujours vos partenaires bancaires, nous, on peut accompagner non pas le financement du matériel, mais le financement de l'immatériel, donc ce qui est aussi important et qui n'est pas forcément facile à financer, un salon, recrutement de commerciaux, le besoin en fonds de roulement, tout ce qui n'a pas trop de valeur de gage pour un financier. Et là, on va faire des prêts à l'innovation pour accélérer commercialement. Donc on est déjà dans des sociétés qui ont du chiffre d'affaires, de la rentabilité, c'est encore mieux, mais ce n'est pas toujours le cas, mais qui ont besoin d'accélérer commercialement sur des marchés à l'export, à l'international, et qui leur permettent d'avoir un certain financement. Et souvent, on est complémentaire des partenaires bancaires qui vont financer les machines, la sous-traitance, un certain nombre de choses de fabrication proprement dite, s'il y a besoin de produire elles-mêmes. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, sauf si Claire avait encore une question. Non, je pense que j'ai synthétisé, il y en aura peut-être d'autres tout à l'heure. Merci. Et Adrien, toi, tu as choisi complètement un autre modèle. Toi, tu as réussi l'une des plus belles campagnes françaises de crowdfunding sur Kickstarter avec 500 000 euros récoltés, qui t'ont permis quand même de préfinancer toute l'industrialisation de tes premières séries. Alors, est-ce que c'est la solution miracle? Quelles en sont les limites? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ok, alors donc, rapidement, effectivement, on a été sur Kickstarter faire 500 000 euros. Déjà à différents stades, on a fait appel à vos trois organismes. Il n'y a pas que Kickstarter dans la vie. Le gros avantage de cette solution, c'est que ça vous permet de financer en amont de votre industrialisation et de financer uniquement associé à une preuve, à une validation de votre marché. Donc c'est vraiment le côté anticipation. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent Kickstarter. En gros, c'est un site de pré-vente qui vous permet donc de présenter en ligne vos produits. Vous les rendez le plus sexy possible avec beaucoup de bon sens, mais finalement, ça demande assez peu de moyens. Et donc ensuite, ça vous permet d'adresser vos communautés en ciblant avant tout sur vos communautés pseudo-captives, ou en tout cas sur la partie de votre marché qui est en fait vraiment attiré par votre produit. C'est ce qu'on appelle les produits must-have. Enfin, en tout cas, vous avez soin, je reprends. Vous devez distinguer en fait deux parties de votre marché, le nice to have et le must have. On n'est jamais 100% produit must have, on n'est jamais 100% produit nice to have. Vous avez forcément un sous-segment de votre marché, surtout sur les marchés de masse, qui est très attiré par votre produit. Donc si vous avez ça, vous êtes potentiellement sur Kickstarter, encore plus si vous êtes B2C, c'est même quasiment indispensable, encore plus si vous avez un pricing en dessous de 300 euros, 100 euros conseillés. Vous êtes potentiellement un succès sur Kickstarter. Nous, c'était notre cas. En plus de ça, on avait un produit vidéo, c'est une technologie de stabilisation vidéo, hein. Donc ça se vend particulièrement bien sur le net. Donc on réunissait quand même pas mal de critères qui faisaient qu'on avait un potentiel succès sur Kickstarter. Il faut avoir un proto avancé, et de plus en plus, c'est de plus en plus vrai. Si vous arrivez avec un démonstrateur, on va vous demander des gages de crédibilité. Il y a beaucoup de projets qui ont échoué. Il faut savoir que la plupart des backers, c'est-à-dire les gens qui vont acheter sur Kickstarter, ont quand même une bonne perception du risque, ils ne sont pas idiots. Et comme il y en a de plus en plus qui ont échoué soit à livrer un produit de qualité, il faut donner de plus en plus de gages de crédibilité. Il y a énormément d'avantages que j'ai listés dans les pourquoi, hein, notamment le haut de bilan. Hein, ça plaît à tout le monde, ça, le haut de bilan, c'est bien. Il y a aussi le fait, l'arbitrage des marchés, ça c'est aussi très bien. C'est-à-dire que comme vous anticipez, vous allez vendre votre produit en définissant des zones géographiques associées à différents types de produits. Hein. Et vous pouvez, post-campagne, vous avez la possibilité, si vous avez mal vendu dans un pays, de rembourser ses clients. Parfois, quand vous avez 20 clients sur une zone géographique, vous n'allez pas passer les certifications. Pourquoi ? Parce que c'est très cher. Et donc ça, c'est vraiment, mais vous faites, c'est beaucoup plus qu'un product market fit, hein, c'est même associé à des éléments qui ont une valeur ajoutée énorme. Donc on peut aussi voir l'opération Kickstarter comme un déverminage de votre marché.
Nous, c'est pas comme ça qu'on l'a vu, on l'a vécu et on l'a préparé comme une opération d'autofinancement. Et c'est ce qu'on a fait. On a autofinancé notre industrialisation, donc pour répondre à ta question, sur 500 000 euros. Donc on avait deux produits, un pour les caméras GoPro, un pour toute caméra. Et donc ça a été pas trop facile à faire. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante ? Merci. Alors ouais, voilà, ça va être un peu long à expliquer. Je vais essayer de faire court. En gros, ce qu'il faut comprendre, donc c'est ce que je vous disais, il y a une partie de votre produit, ou en tout cas de votre marché, qui va considérer votre produit comme must-have. C'est tout en haut, là. Et une autre en nice-to-have. L'intérêt du must-have, quand vous avez une proposition de valeur incroyable, c'est ça qu'il faut chercher sur Kickstarter, c'est la grosse proposition de valeur. Si vous avez ça, vous êtes viral d'entrée de jeu, vous publiez trois tweets, vous gérez avec un blogueur ou avec un organe de presse, quel qu'il soit. Et ça part tout seul. Et ça, c'est si vous avez cette capacité à faire du buzz, vous n'avez même pas besoin d'agence de presse. Ensuite, attention, vous avez forcément une partie de votre marché qui, elle, va considérer votre produit en nice to have. Donc, il faut avoir une bonne perception de cette segmentation. Donc, évidemment, tout ça se prépare avant la campagne. Donc, en fait, la campagne, c'est ce que vous voyez ici en vert, hein, et toutes les étapes qui se trouvent en amont, donc pour vous à gauche hein, sur le schéma, c'est tout ce qu'il faut faire absolument. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si vous n'avez pas communiqué dessus, si vous n'avez pas préparé cette campagne sur Kickstarter, ce sera un flop, c'est garanti. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier buzz en publiant un teaser. Dans notre cas, on a choisi à l'intérieur de la communauté Must Have, oui, c'est les couleurs que vous voyez en bas, hein. Le bleu profond, c'est Must Have. Le bleu ici, plus léger, c'est du nice to have. Au début, vous ciblez sur votre must-have, vous capitalisez sur votre image à l'intérieur de la communauté. Donc vous prenez le blogueur le plus introduit dans le segment le plus must-have de votre must-have du must-have. Et c'est pas facile, mais vous définissez un point d'entrée. Et, non, mais c'est important. Et c'est là que tout se joue. Et si vous arrivez à partir en viral ici, ensuite le reste va s'enchaîner. Donc vous êtes repéré par les organes de presse plus classiques, enfin en gros la presse tech US, hein, The Verge, Engadget, etc. Vous n'êtes que repéré. Ensuite, vous les pitchez, vous prenez le temps. Mais ce que vous faites, c'est que vous allez créer sur votre site internet une landing page, donc classique, vous récoltez des adresses mail. La landing page doit marquer, attention, ne mettez cette adresse que pour être informé du lancement de la campagne. Si vous récupérez des adresses de qualité, il y a plusieurs méthodes pour le faire, vous avez une communauté d'utilisateurs, et ensuite c'est la formule que vous voyez. Il y a 8% des mails que vous avez récolté, qui vont convertir dans les 3 jours du début de la campagne. Seulement 8%, c'est surprenant, mais c'est comme ça. 8-10. Et donc, en fait, vous faites un calcul tout bête en fonction de l'objectif de financement que vous vous étiez fixé à l'origine. Et c'est la formule que vous voyez. En fait, vous savez quand vous êtes prêt, c'est le nombre de mails minimum en fonction de l'objectif de financement. Si vous claquez votre objectif de financement dans les 3 jours, vous savez que vous allez faire au moins 3 fois plus que l'objectif de financement. Dans notre cas, c'était 150 000 euros parce qu'on partait sorti de garage, on n'avait pas un euro, rien. Donc on a fixé un objectif très haut. En général, c'est aux alentours de 50 000 euros pour des projets Kickstarter. Et le calcul, c'est vraiment, je veux passer rapidement cette barre-là pour ensuite générer le cercle vertueux. Donc ensuite, vous avez de la presse. Une fois que vous avez une bonne dynamique sur Kickstarter, vous entrez en page de gâte, vous êtes remonté sur la page de Kickstarter. Enfin, il y a un cercle vertueux qui s'enclenche. Et si vous avez bien teasé, si vous avez bien pitché vos journalistes, normalement, ça déroule tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à faire le lancement. Et ça se fait tout seul. Vous avez rien à faire. C'est ça qui est absolument phénoménal. Donc tout se travaille en amont, en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en amont. Oui, alors ensuite, bien sûr, il y a des outils qu'on a plus ou moins, nous, utilisés. Il faut savoir que Kickstarter est un outil qui propose assez peu de statistiques, assez peu d'outils de monitoring de la campagne. Vous avez très peu de moyens d'action qui sont liés aux outils de Kickstarter. Il y a Indiegogo aussi, dont on pourrait parler, qui lui a beaucoup plus de statistiques qui vont vous permettre de vraiment gérer votre marché, vos opérations de communication en cours de campagne. En cours de campagne, c'est juste incroyable ce qui vous arrive. Enfin, c'est vrai que quand Engadget ou The Verge publient sur vous, c'est... Voilà, vous dormez plus, il se passe des trucs, quoi. Donc il faut vraiment s'attendre à être complètement débordé pendant la campagne, vous gérez plus rien. même bien organisé et préparé, c'est une expérience assez ultime. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous avez une forte dynamique au démarrage avec tous les gens donc, qui étaient prêts à appuyer sur le bouton, en quelques secondes, hein, ils achètent d'un coup. Ensuite, évidemment, les gens entrent dans une période d'attentisme, hein, au milieu, vous voyez que le plateau, il y a quasiment un plateau.
Et sur la fin de la campagne, tous les gens qui hésitaient, finalement, voyant la campagne arriver à son terme, vont finir par passer à l'acte d'achat. Donc c'est normal, c'est une coupe typique. Typiquement, ce qu'on conseille, ce qu'on n'a pas fait, c'est de plus investir en RP en fin de campagne parce que la news est moins fraîche. Donc les journalistes n'aiment pas trop les news pas trop fraîches. Donc le fait de communiquer sur « attention, la campagne de SteadyXP arrive à son terme, vous devriez acheter maintenant, sinon ensuite, bah, c'est fini », c'est moins vendeur. Donc voilà, il est conseillé d'apporter un peu de RP à la fin pour maximiser. Si vous pouvez, si vous avez le budget, bien sûr qu'une agence de presse peut vous aider sur toute la chronologie, du teaser jusqu'à la fin de campagne. Mais ça se fait aussi sans. Donc en fait, on a réussi à démontrer, je ne suis pas fier de ça, mais on a fait ça avec un budget presse de $65. Donc, et on a failli faire ROI infini. Mais au final, on a fini par prendre $65 en fin de campagne. Et je devrais pas m'en vanter, franchement. Mais avec un bon budget presse, on aurait fait beaucoup, beaucoup plus que ça, c'est certain. Mais on avait tous les indicateurs au vert. Puis il faut savoir que comme vous êtes sur un marché de masse, vous avez récolté beaucoup de mails. Dans notre cas, on en avait 3838. Vous savez ensuite, on vous a expliqué que les chiffres étaient toujours les mêmes. Et effectivement, hein, c'est bêtement mathématique. Ah oui, un truc que j'ai oublié, il n'y a pas que du quantitatif, il y a le qualitatif. Le « shut up to take my money », c'est pas juste pour rire, c'est un truc, on en a eu des douzaines quand on a commencé à teaser. Alors, au début, c'est rigolo, puis vous vous rendez compte que ça revient, ça revient, ça revient. En fait, c'est un message, ça. C'est pour qualifier le fait que vous soyez must-have, vous devez voir ce genre d'informations. Et on en a eu beaucoup, et c'est assez rigolo. Donc apparemment, les Américains, ils le font systématiquement. Donc, voilà. Et sinon, un autre truc à savoir, c'est que post-campagne, bien sûr, commence l'industrialisation. Donc là, c'est déjà une moins belle histoire. C'est le début de la traversée du désert. C'est même du bad buzz aussi, il faut le dire, hein, parce que vous vous engagez sur des délais sur Kickstarter. Et nous, on les a éclatés de plus d'un an. Donc quand même, c'est... Ah, ouais. Mais ouais, mais c'est le cas pour tous les projets. Et en fait, il faut assumer ça, il faut le préparer, il y a... On va dire aussi sur la stratégie de communication d'une manière générale. Mais ensuite commencent des choses un peu difficiles. Il faut des épaules. On en est au troisième community manager. C'est pas facile. Même bien investi, même bien préparé, c'est pas simple. Et vous avez en fait 12 parmi les 2200 backers qu'on avait. On en a 12 qui nous ont fait la misère. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un prix à payer pour le must-have. Ça, c'est important aussi. Quand vous êtes must-have, les gens ont une frustration. Et quand vous accumulez de la frustration sur une durée très longue, ça se termine mal. Et les gens sont agressifs, hein, attention. Donc c'est le prix à payer pour le must-have. Sinon, ouais, les choses à savoir, c'est que post-Kickstarter, donc vous avez 8% de commission que vous laissez à Kickstarter de base, et vous allez perdre 2,4% d'impayés sur les cartes bancaires américaines. Voilà, c'est pour les détails de financement. Mais tout ça se calcule assez bien, et comme on est dans des pseudo-grands chiffres, c'est très reproductible. On nous avait dit que ça sera 2,4, 2,4. Et 8 à 10, c'était pile ça aussi. Donc ça se prépare assez bien. Mais par contre, sans teaser, meilleur produit du monde, vous n'aurez rien. Et surtout là, Adrien, tu as beaucoup axé sur comment on réussit sa campagne sur Kickstarter, et comment on lève beaucoup. Mais en fait, s'il y a beaucoup de retard aussi dans l'industrialisation post-Kickstarter, c'est que justement, peut-être qu'au vu de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça nécessite d'anticiper très en amont avant de poster sa campagne. Il faut être préparé à l'industrialisation parce qu'il y a plein de projets sur Kickstarter qui aboutissent pas parce que, par exemple, le pricing n'est pas bon, parce que ce n'est pas manufacturable, en tout cas pas au coût qui est indiqué, pas dans les délais indiqués. Et donc, plus on intègre tôt tout ce qu'on a vu avant, plus on a des chances que la campagne puisse permettre de préfinancer ce qu'on a vraiment vendu comme promesse. Ouais, je ne sais pas si tu confirmes. Juste un point là-dessus, ouais, ça me semble essentiel. En fait, la campagne en elle-même va créer beaucoup de bruit autour de vous. Vous êtes submergé. Ensuite, post-campagne, pendant des mois et des mois, c'est l'enfer. Si en plus de ça, vous devez rester focus sur le développement d'un démonstrateur qui est bancal, que vous savez bancal, etc., vous ne serez pas assez focus. Si vous arrivez avec un démonstrateur, vous êtes, enfin, c'est chaud, vraiment. Enfin, vous avez, c'est très difficile. Nous, on avait un poteau de niveau 1, donc entièrement sourcé. Au moment où on est arrivé sur Kickstarter, et ben malgré ça, il a fallu qu'on rentre en phase indus, et c'est toujours long et compliqué. Bon, on a su se faire entourer, bien sûr, mais tout démarrer de zéro sur Kickstarter, c'est pas simple. Et il y a un autre point hyper important. Hein. Vous avez une zone monde, hein, donc ça veut dire que vous préparez les FCC. Vous ne pouvez pas vous permettre de recertifier 6 mois plus tard un produit d'un truc qui aurait été un peu bancal, mais
développer en mode lean un peu rapidement. Non, ça ne marche pas comme ça. Les projets Kickstarter qui livrent et qui déçoivent leurs clients après un an et demi, deux ans d'attente, ont un très gros retour de bâton. C'est encore pire qu'un produit que vous achetez et que finalement vous vous envoyez par droit de rétractation quelques jours plus tard. Là, vous frustrez vos clients pendant deux ans. Vous devez être prêt sur le produit. Si le produit arrive et qu'il déçoit, après un an et demi de frustration, ça se passe mal. Donc il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de projets qui échouent à livrer, beaucoup de projets qui arrivent à livrer, mais qui au final ont un produit un peu décevant. Donc soyez prêt en termes de prototype. Vous précipitez pas, à moins d'avoir une première mondiale. Alors, est-ce que vous avez des questions à nos intervenants ? Je souhaitais savoir, justement, pour Adrien, donc, comment avais-tu eu les soutiens de Captronic, d'Easy, EasyTech et la BPI ? Et je veux dire, pour quelle partie du... À quel stade, par exemple ? Voilà, tout à fait. En fait, on est sorti du bois en 2014. On a tout de suite rencontré Minalogic, tout l'écosystème et Captronic aussi. Alors ensuite, je ne rentrais pas dans toutes les cases, et la BPI bien sûr, déjà à ce moment-là. J'ai eu quelques mauvaises expériences en matière d'innovation, c'était aussi une innovation de rupture et plus ou moins une petite première mondiale. Donc j'ai tendance à accélérer les process le plus possible, et tout ce qui était dossier un peu compliqué, démarche longue, on n'a pas fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu un budget presse aussi ridicule, encore une fois navré. Mais donc en fait, Captronic nous a introduit quand même, même si on n'a pas eu le temps de monter tous les dossiers. Minalogic nous a introduit sur tout l'écosystème. Et donc au final, ça a une valeur ajoutée énorme. Et BPI nous a financé. C'est-à-dire que, par exemple, post-Kickstarter, sans BPI, c'était, voilà, ça nous a permis de respirer un peu. Voilà, c'est surtout post hein, avec la BPI. Encore pour Adrien, si j'ai bien compris, quelque part la campagne a quasiment autant financé votre industrialisation. Finalement, par la suite, est-ce que vous avez, d'après ce que je vois, eu des financements de la part de la BPI ? Est-ce que c'était aussi le cas vis-à-vis des banques ou d'autres sources de financement ? Mon banquier est parti de la salle, donc je peux répondre à votre question. Non, mais enfin, je veux dire, il est adorable au demeurant. Non, il y a, c'est que, bien sûr, les banques ne se mouilleront qu'une fois que vous serez break-even ou que vous aurez, une fois que vous aurez atteint le point mort ou une fois que vous serez adossé à une levée de fonds. Voilà. C'est les cas classiques et c'est pareil pour tout le monde, il faut l'accepter d'entrée de jeu. Ceci dit, notre banque, en cours de campagne, oui, ça c'est un point important aussi, la campagne, la nôtre, a duré 30 jours. Vous êtes viré 14 jours après la fin de la campagne, donc vous avez un mois et demi d'attente. Alors que peut-être au bout de 2 ou 3 jours de campagne, vous saviez que vous franchissiez votre premier palier d'objectif et donc que l'argent serait in fine livré, enfin viré de façon certaine. Bon, là, les banques font des facilités, bien sûr. Mais ensuite, faire une demande de crédit bancaire significative pour financer les startups aujourd'hui, tant que vous n'avez pas atteint le point mort ou que vous n'avez vraiment pas des gages... En général, c'est des petites sommes. Vous pouvez demander des petites sommes. Oui, juste une correction, jusqu'à 7 millions d'euros. Il y a des prêts, c'est ma banque populaire, je fais la pub, Innover Plus, mais il y a l'équivalent dans d'autres banques, avec des soutiens européens. Moi, je suis déclaré... Ma société est déclarée en faillite quand elle passe aux 3 logiciels BPI, hein, Philippe. Ma banque me fait confiance et j'ai... souscrit à hauteur de 200 kilos euros, ça peut aller jusqu'à 7 millions d'euros quand même. Donc l'écosystème change aussi au niveau bancaire. Il faut le témoigner, hein, je pense que ça sert à tout le monde. Je rajouterai un petit mot sur l'équilibre d'un montage financier, parce qu'il y a des cas atypiques qu'on ne peut pas forcément toujours faire un cas général. Ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, l'écosystème financier bancaire a beaucoup évolué et intervient de plus en plus dans les créations d'entreprises.
Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que l'équilibre qui est recherché globalement, c'est un bon équilibre entre des aides, de l'investissement en capital, donc ce qu'on appelle des fonds propres, et de la dette bancaire. Si on n'a pas à un moment une vision à peu près équilibrée de ces trois éléments, c'est plus compliqué pour les uns ou pour les autres d'intervenir. C'est pour ça que de temps en temps, ça ne se fait pas. Parce qu'il faut quand même que les actionnaires et les dirigeants mettent aussi effectivement un certain nombre de choses en œuvre au moment du lancement des entreprises, qu'il y ait des aides publiques, elles sont là pour ça, elles ont été présentées très largement, et elles peuvent aller à des montants significatifs en fonction des projets. Et dans ce cas-là, il y a une intervention conjointe de l'état, des établissements bancaires, y compris grâce à la garantie que l'on peut accorder. Donc c'est bien un ensemble de montages fonds propres, aides et dettes bancaires qui permet en général de monter et de financer l'ensemble des projets, y compris ce qui peut être en prêt d'honneur et autres pour les différents intervenants si les moyens ne sont pas suffisants en termes d'apports financiers initiaux des porteurs. Donc c'est important de regarder l'ensemble de ce montage financier. Alors je rebondis, Philippe, parce que c'est exactement le sens dans lequel on accompagne tous, enfin toutes les structures d'accompagnement, on essaie d'aider nos entrepreneurs à structurer leur plan de financement comme ça. Mais c'est vrai qu'en tant que structure d'accompagnement, justement, on finance beaucoup l'amont, la R&D avec toute la base publique, je dirais. Une fois qu'on est à la phase de développement commercial, on peut passer sur des nouvelles solutions. Mais la phase d'industrialisation, c'est quand même, quand on sort du prototype et qu'on doit industrialiser ses premières séries, c'est capitalistique et c'est quand même là où ça reste compliqué. Alors, quelles sont les solutions ? Il n'y a pas de solution miracle, je pense, sur le sujet. J'en ai évoqué quelques-unes. Hein. C'est un investissement commun, en fait. Il y aura des investisseurs, je parlais de corporate éventuellement, qui peuvent avoir un intérêt de marché, mais ça ne me représente qu'une partie. Il peut y avoir des crédits bancaires sur un certain nombre de développements, mais à condition d'avoir une perspective économique et de marché. Après, est-ce qu'il faut aussi... Après, c'est une question de volume de besoin. Est-ce que c'est 100 000 euros pour industrialiser ou est-ce que c'est 10 millions pour construire une usine ? Ce n'est pas tout à fait les mêmes ambitions. Et 10 millions pour construire une usine, la visibilité et l'analyse qui doit être faite et qui doit être démontrée, c'est à quelle échéance la rentabilité de cet investissement va être possible. Et donc, ça changera. Cette analyse-là changera la typologie de financiers qui viendront avec. C'est-à-dire que si la visibilité d'une usine est à 10-15 ans, c'est pas un investisseur classique en capital qui viendra, c'est plus un industriel, c'est plus quelqu'un qui aura une cohérence globale sur la durée des produits, c'est de la dette bancaire si la situation financière le permet, c'est encore des aides publiques, il peut y en avoir, hein. Je parlais du partenariat avec la région sur le prélancement industriel, qui peut aller jusqu'à un certain temps. Il y a quelques programmes européens aujourd'hui qui permettent de financer de l'industrialisation. Il y a quelques programmes nationaux aussi qui font du programme d'investissement d'avenir. On verra la suite sur la troisième version à partir de l'année prochaine. Donc il y a un certain nombre d'actions qui permettent d'avoir un certain nombre d'aides. Et on revient au triptyque dont je parlais tout à l'heure. Mais à un moment donné, l'industrialisation, elle se financera aussi par du capital. Et peut-être qu'il est différent d'un investisseur classique suivant le besoin. Mais je suis d'accord, ce n'est pas la plus facile des étapes à financer, suivant les besoins dont on a. Merci beaucoup à vous tous. On va passer sur la clôture de cette journée par